Amis du bricolage, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore plus abracadabrante avec en projet un bac à fleurs tombe. À chaque extrémité des planches, je vais tracer de petits triangles irréguliers, mais préalablement, j'aurai défini un haut et un bas pour chaque planche et un ordre de positionnement pour mes deux planches. Aussi, je choisis de mettre 4 vis par planche, donc j'en tiens compte pour le traçage des triangles. Après la scie sauteuse, place à la disqueuse pour mettre en forme les découpes. En cassant l'arête d'un triangle, je vais continuer sur ma planche. Je peux suivre une fente naturelle du bois par exemple. Important, ma disqueuse est inclinée à environ 45 degrés par rapport à la planche dans le sens du bas, du vrai bas préalablement défini. Ça permettra à l'eau de pluie de s'écouler sans favoriser une entrée dans le bois. À présent, je suis rendue dans la partie teinture. Je vais vous montrer. Alors, j'ai décidé d'utiliser une teinture à base de vinaigre et dedans, il y a une paille de fer dans celle-ci. Ce mélange, je l'ai fait hier. Ici, la même chose, base de vinaigre et j'avais mis des clous rouillés. Clous rouillés qui ont macéré pendant à peu près un mois.
Donc, sur un bois raboté, ça nous donne ceci. On voit que la teinture est légèrement brune par rapport, si je vous montre, un gris. Donc là, c'est plutôt ce gris, c'est la teinture qui est ici. Donc ça, c'est le gris que je préfère, en fait, pour vieillir le bois. Allez, c'est parti. Je continue. Donc le moment tant attendu, le montage, je vous montre. J'ai déjà commencé à percer tout un côté. J'utilise une planche en dessous avec deux tasseaux, un ici comme vous pouvez voir et un de ce côté qui sont fixés perpendiculairement. Comme ça, ça me rend service de caler mon montant, de l'appuyer en bas. Celui-ci, de l'appuyer en bas, de les espacer à la même distance en haut et en bas. Comme ça, logiquement, j'ai quelque chose de bien parallèle et en plus de perpendiculaire. Donc si c'est bien parallèle et que c'est perpendiculaire de ce côté-ci, ça devrait l'être aussi de ce côté. Je vais percer ce côté. Donc j'appuie bien pour maintenir le montant qui est en dessous. Alors j'étale bien la colle parce que je voudrais vraiment pas que ça déborde. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait juste ce qu'il faut. C'est pas évident, comme elle mousse, on ne se rend pas toujours compte. Et plus il y a d'humidité, plus elle mousse aussi. C'est une polyuréthane, donc ça réagit avec l'humidité de l'air. Et voilà, mes deux côtés sont faits. Mission accomplie, mon bac Halloween est fini. Je lui ai mis à l'intérieur un plastique. Voilà, vous voyez. Alors, chacun fait comme il veut. Certains mettent directement la terre dans le bac en bois. Moi, je préfère le protéger avec un plastique. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, toujours dans le challenge d'automne, qui consiste pour moi à créer des choses, des objets dans le thème de l'automne, y compris Halloween, avec du bois de palette que je récupère. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en signe de votre passage, ça fait plaisir. Et le commentaire pour que je puisse vous rencontrer en message, vous me voyez, moi je peux vous lire. Et si vous aimez mon travail et souhaitez en découvrir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit.
et moi ça me soutient grandement. Je vous dis à bientôt, des bisous, ciao ciao.